Drive le mag. Le mondial, c'est aussi le rendez-vous pour sensibiliser l'automobiliste au risque routier. Alors incontournable, la voiture tonneau, mais attention, ne dites pas à cet homme que c'est un super manège, il risquerait de mal le prendre. Voilà, je dirais c'est même tout sauf un jeu, puisque on axe notre prévention aujourd'hui sur le port de la ceinture de sécurité. Alors c'est une habitude qui est vraiment très ancrée sur les places de devant. Mais derrière, aujourd'hui, on a encore malheureusement beaucoup de décès dus à un mauvais port de ceinture de sécurité ou une absence de port de ceinture de sécurité. Ce qui fait qu'en 2012, il y a eu plus de 300 morts encore liées à ce phénomène-là, alors que le port est devenu obligatoire depuis 1973 à l'avant et 1990 à l'arrière. Donc tout l'effort doit encore porter surtout sur les passagers arrière. C'est vraiment fait sans aucun artifice, donc c'est une voiture tout à fait classique, avec des ceintures de sécurité on ne peut plus classique. Et là, effectivement, je dirais qu'au bout d'une minute, on est tout à fait convaincu du port de la ceinture de sécurité. Et même quelques anciens, on le sait, qui nous disent bon, la ceinture pour quelques mètres, ce n'est pas très utile. Eh bien là, immédiatement, ils vous disent effectivement c'est une erreur et je vous remercie de m'avoir fait monter dans ce véhicule. Voilà, les anciens d'un côté et bien sûr les jeunes. Pourquoi les jeunes? Parce que lorsqu'ils ont fait un peu la fête, voilà, c'est normal. Eh bien derrière, ils peuvent là aussi avoir tendance à ne pas s'attacher comme il conviendrait. On le constate avec, surtout avec les jeunes filles, elles ont tendance à mettre la ceinture sous le bras. Et là, c'est extrêmement dangereux en cas de tonneau. Ça peut laisser des séquelles très, très graves. Voilà, c'est dommage, voilà, pour un geste qui semble aussi banal. Voilà, il ne l'est absolument pas. C'est très, 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 très utile. Voilà, il faut marteler toujours des messages et avec le sourire comme aujourd'hui.